Salut à tous. Ouh, putain, c'est là. Oh, pardon. On se retrouve avec Gab et Gok pour une ouverture de Destinée radieuse. Écrit dans le micro. Allô, allô, vous m'entendez? Allô. Qui fait la collection de ça, Gok? C'est moi-même. Exceptionnel. Incroyable. Donc, il te manque beaucoup de cartes? Pas mal. Est-ce que t'aimerais avoir comme carte dedans? Tout, hein. Toutes les cartes. Non, il me manque pas mal de shiny parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, les Pokémon chromatiques, comme on dit en français. Il manque pas mal de VMAX. Il manque un peu de secrète et il manque le Dracaufeu shiny. Allez, le Dracaufeu shiny dedans, gogo. Putain. Alors, c'est un packaging qu'on a payé très cher. Oui, parce qu'il y a une flambée des prix, parce que beaucoup de personnes l'ont acheté et l'ont revendu directement. Donc, il y a quand même une grosse flambée des prix parce qu'il était difficile de l'avoir. Donc, voilà. Donc, on l'a trouvé sur Paris, à côté de... Donc, sur Boulevard Voltaire, dans le magasin qui s'appelle... comment il s'appelle déjà ? Manga Story. Manga Story ! Très connu d'ailleurs, si vous êtes de Paris ou de la région Île-de-France, vous devez sans doute connaître ce magnifique site. Voilà. Attendez, je vais faire ça. On voit absolument rien. Je vais vous filmer comme ça. Ah, vous êtes vraiment exceptionnel, monsieur. Attendez, je fais le petit focus. Alors, Destinée radieuse, petit packaging super sympatoche. À l'intérieur, nous y trouverons donc une petite ouverture comme ça. Waouh ! C'est beau, hein ? C'est la première fois qu'on ouvre ce type de box. Et à l'intérieur, vous y retrouverez des logos super, super sympatoches. Ouais. C'est super beau l'intérieur. C'est très très beau avec le Dracaufeu VMAX à l'intérieur, regardez-moi ça. Voilà, le fameux Dracaufeu. Exceptionnel. Suivant. Ici, vous avez un petit catalogue. Alors, ce catalogue, normalement, il nous permet d'avoir l'accès à toute la collection de Destinée radieuse. Avec les cartes à l'intérieur. Oh, magnifique. Avec des informations. Et voilà, les attaques, etc. de tous les Pokémon qui sont disponibles dans le display. Ah, voilà. C'est celle-ci. Si on l'a, celle-ci. Ah là, on saute par terre. Hein. Je dors dans la voiture ce soir. Et ici, vous avez vraiment toutes les cartes à l'intérieur. C'est vraiment... Ah, vous avez accès à tout le catalogue. Donc, ouais. C'est vraiment un coffret très sympathique. Quoi. Exactement. Mais ça, je vais te le laisser, Gog. Ah, super. En fait, c'est vraiment le coffret qu'on vous recommande si vous souhaitez commencer une collection. Oui. Parce que vous avez accès à toutes les informations. Oui. Vous avez également des petits protège-cartes à l'effigie de la collection. Attendez, monsieur. Ah, pardon, pardon. On ouvre le packaging qui se situe juste ici, vers le haut. Super sympatoche. Ici, vous y retrouverez donc un petit... C'est quoi ça? Un petit catalogue, pareil, un petit catalogue avec des informations. Je crois que c'est le même au petit, non, même pas. Mais quelques informations sur les cartes Pokémon. Suivant, ici vous avez à l'intérieur. Waouh, des dés. Donc c'est vraiment pour jouer au jeu Pokémon. Des dés? Oui. Super. Ici vous avez donc, c'est quoi ça? Les marqueurs. Ah oui, marqueurs de points empoisonnés, etc. Il présente le produit qu'il ne connaît pas entièrement. Mais c'est pas grave. Donc je suis là pour le rattraper parce qu'on est vraiment... Exceptionnel! Exactement! Et ici, on ouvre le packaging. Alors, attends, non, ce qu'on va faire, on va faire un truc plus simple. Non, si, on va ouvrir le packaging comme ça. Et normalement, à l'intérieur, on va retrouver donc une carte. La carte promotion? Oui, qui est. Oh, Evoli VMAX! Waouh! Il est beau! Un Evoli VMAX, quoi. Et elle est magnifique, la carte. Elle est très belle. On y trouvera aussi donc un coin de promotion pour nos abonnés. Ah, tenez, ça nous fait plaisir. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pas cher. Ici, vous avez des cartes Pokémon. Incroyable. C'est quoi? C'est des énergies, ça? Ouais, c'est tout ce qui est énergie, donc très utile pour combattre, pour faire des duels de cartes. D'accord. Donc un petit peu comme à la Yu-Gi-Oh! Mais bon, vous pouvez jouer au JCC qui vous explique un petit peu tout ça, hein. Exactement. Et ici, vous avez des sleeves, justement, Evoli. Vous en avez, je sais pas, une petite... Il doit avoir marqué sur le packaging, non? Une petite vingtaine, je pense. Où est-ce qu'il est, le packaging? Il est là. On a... 65 protèges. 65 protèges cartes motifs. Et c'est très, 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 très... C'est pas mal, 65, hein? Sympatoche. Donc, on va les garder pour mettre à l'intérieur les cartes qu'on va avoir. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Gog? Bah, je suis tout à fait d'accord. Et à l'intérieur, attendez. Et à l'intérieur, on a les boosters. Et c'est ça qui nous intéresse, en réalité. On a combien de boosters à l'intérieur? Oula, c'est quoi on ça? On a 8, 9, je sais plus. Bah sur le packaging, vous avez l'information, donc il y en a 10. 10, pardon. 10 boosters. C'est entièrement faux. Pour 99€, ça vaut le coup. Alors, suivant. Yeah. On commence 5 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Vous voulez lesquels? Bah peu importe, hein, on va vraiment se faire... on va vraiment laisser faire le hasard. Hein. Elle est belle la Evoli VMAX. Elle est très jolie, hein. Elle est vraiment exceptionnelle. Voilà, vous avez un Evoli VMAX, donc c'est une carte promotion. Une très belle carte promotion, parce que d'habitude, les cartes promotion, c'est pas des cartes VMAX comme ça, full art. Donc là, ça fait plaisir, hein, un beau Evoli. En plus, Evoli, Pokémon emblématique de la première génération. Oui. Donc ça fait plaisir, voilà. Et on va la mettre tout de suite dans le sleeve, non?
Ouais, là elle est déjà protégée, mais on va la mettre dans le sleeve. Vous inquiétez pas, les amis. On le mettra. Donc ça, c'est les sleeves super sympatoches. Vous retirez et voilà, ici, avec un fond grisé un petit peu et ouais. l'illustration d'Evoli juste derrière. Super sympa. Donc on va laisser le packaging ouvert. On sait jamais si on tombe sur des belles cartes. Go, c'est ta collection. Oui. Je te laisse commencer. Ah, excellent. Ah, je suis tout excité là. C'est gratuit, c'est pas cher. Ah, je suis tout excité là. Alexandrie. Alexandra. On les connaît ça. Ce soir, du coup, je suis avec moi dans mon lit. Ça se dit pas, ça, pardon. Tu dors avec moi. Voilà. Tu fais des poutou-poutou. Tu fais des gros câlins. Alors, c'était 4, voilà, je m'en rappelle plus. Hein. Allez, Gog. Gog, allez, Gog, s'il te plaît. On va voir si les ratios sont bons sur les coffrets de dresseurs d'élite. Hein. Donc, une énergie et flèche. Luxio. Luxio. Tu connais bien cette collection. Ouais, bannière de la Team Yel, Goupillon. Donc ça, c'est des cartes communes. Donc quand vous avez le petit rond comme ça, c'est commun. Quand vous avez le petit rectangle, est-ce qu'on va avoir un petit rectangle? Juste ici, par exemple. Vous avez le petit rectangle, ici. Oui, donc ça, c'est un petit peu plus rare que commun. Oh, d'accord. Mais c'est quand même quelque chose d'assez accessible. Et après, vous avez les rares avec la petite étoile. Donc là, c'est une commune. Évolue pareil en commune. Mustéboué, pareil. Donc Morbeko en reverse et... Oh, je l'ai déjà. Oui, mais Sirvé. Mais magnifique. Magnifique. On donc là, par exemple, voilà, c'est une ultra rare parce que vous avez l'étoile qui est en brillante un petit peu. Blanc. Blanche, brillante. Je sais pas si on va pouvoir faire le focus. Un peu plus de loin, peut-être. Voilà, là. Donc là, vous avez la petite étoile brillante. Donc ça indique que c'est une ultra rare. Voilà. Exceptionnel. On la met dans le sleeve tout de suite. Magnifique. Et les sleeves sont de très bonne qualité, hein. Donc voilà, comme on vous a dit dans la précédente vidéo, oui. Ça sera à vendre parce qu'on l'a déjà. Oui. Voilà, c'est tout. Donc rendez-vous sur notre eBay aussi. Oui. Voilà, c'est tout les amis. Allez. À bientôt avec Gab et Gog. Salut. Non, je rigole. Allez, c'est parti. On continue. Donc là, on commence bien déjà. Une ouverture, un petit V déjà. Par rapport au voltage éclatant, on est beaucoup plus ravis. On m'a dit que le ratio était bon sur les coffrets. Voilà. Normalement, alors on va essayer justement. On va voir, on va vous prouver ça en direct, hein. Hop. Allons-y. Allez, on y va. Alors, Tony Coton. Kélocroc. Je vous laisse dire. Hein. Morbeko. Ouais. Cacnéa. C'est ça. Hippotrempe. Le fameux. J'adore Hippotrempe. Il est beau. Épée rouillée. Motisma. Nigosier. Énergie jaune. Et... Ah, mais c'est de la shiny. Oh. Tu ouais, l'as joli, non. Ouais, elle est belle. Hein. Mais elle est magnifique. Donc, voilà. Donc toutes les cartes shiny. Donc vous avez la petite indication ici. Attention, on va essayer de vous rapprocher vous. Voilà, vous avez le SV ici, qui signifie que c'est la collection shiny. Donc SV, il y en a 122. Donc ça fait assez beaucoup. Parce que vous avez la collection standard qui va jusqu'à 0,72. Et vous avez en même temps le shiny et un Celebi en rare. Bon, Celebi en rare, c'est une carte normale. Et ce qu'il y a de spécial sur le shiny, remontrez le shiny. Oui. C'est voilà, c'est l'illustration. Pardon. Juste l'illustration. Donc voilà, vous avez ce petit effet holographique qui est vraiment très sympathique. Donc, qui est vraiment très beau. Voilà. Donc, allez. C'est magnifique. C'est pour toi, c'est gratuit, c'est pas cher. C'est incroyable. Incroyable. Donc une shiny, une V, c'est beau. Allez, on y va, on continue. En tout cas, bonne proportion pour l'instant. Pour l'instant, on est assez ravis. Hein. Allez, c'est parti. On y va, Gog. Allez, les amigos. Les amigas. Les amigus. Énergie, acier. Badabouin. Oui. Tropius. Motisma. Goupillon. Tournicoton. Cacnéa. Charibari. Mustéboué. Ah, oh Shiny, Salarzen. Tu l'as? Non. C'est pas vrai? Non. Et une rare Zarude. Mais c'est magnifique le ratio. Attends, il y a des V dans tous les boosters, quoi, ces trucs-là? C'est pas des V, là. C'est des... C'est des Shiny. C'est des Shiny. Mais c'est vraiment... ça coûte au moins 5€, une Shiny. Donc, c'est vraiment très sympathique de les avoir. Mais magnifique. Parce que vous en avez beaucoup. Oh, là, c'est vraiment top, là. Hein. Là, le ratio est exceptionnel. Top, le ratio est exceptionnel. S'il y a le rack au feu, tu me le laisses ou pas? Bien sûr. Bien sûr que non. Ah, je suis content, là. Alors, on continue. Allez, drac au feu. Ah là c'est pas mal, hein, vraiment. Code promo. Allez, Gabzouz. Allez. Charibari, Kélocroc, Yanma,
Morte Bepogo, Evoli. J'adore Evoli. Minage, dresseur d'arène. Et flèche. Blanc coton. Énergie obscure. Oh, ça c'est pareil, une shiny. Oh là là, je l'ai pas non plus. Bec à glaçon. C'est un bec à glaçon, quoi. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Regardez-moi cette carte de fou. C'est super. Franchement, elle est géniale. C'est une très belle carte. Oh là là, tu l'as pas non plus. Vraiment, y a une shiny que je recherche beaucoup, c'est le Suicune. En shiny, et il vaut dans les 40 euros. Hein. Non. Ouais, et c'est une très, elle est magnifique. C'est une carte très jolie. Parce que c'est un Pokémon légendaire, donc forcément. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Allez, c'est parti. Allez, encore une bonne pioche. Aïe. Encore une bonne pioche, Gouille. Allez, une shiny. Énergie. Dresseur d'arène. Mustéflotte. Bannière de la Team Yel. Wistempo. Mimigal. Lixie. Oui. Hippotrempe. Oui, j'adore Hippotrempe. Yanma. Oui. Oh là là, Gorythmique, je l'ai déjà, mais elle est magnifique. Elle est incroyable. Ah, elle est vraiment belle. Mais elle est magnifique. Tu l'as déjà? Ouais, je l'ai déjà, mais... Je la garde. Elle est... Tu la veux? Bah oui. Garde-la, garde-la. Bien sûr, avec plaisir, garde-la, mon ami. Gorythmique, c'est magnifique. Donc ça, c'est le starter herbe de Épée Bouclier. Donc la dernière version qui est sortie de Pokémon. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse un petit peu qu'on parle de jeux vidéo, parce que là, il y a un jeu Pokémon qui s'appelle Snap Pokémon qui va sortir très prochainement, donc dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos dessus, de présentation, etc. Voilà, c'est tout. On est chaud pour les bancs, hein. On est toujours chaud, hein. J'arrive pas à ouvrir. Comment ça, Gab? Il vous en reste... Ah ouais, on a encore du choix, là. Il y a encore du truc, là. Ah, c'est beau, franchement. C'est rentable, hein, quand même, hein. Non, mais c'est super bien, surtout. Parce que là, c'est les cartes que t'as pas, en fait. Mais on est content, les shiny, vraiment, c'est très sympathique. Allez, on y va. Code promotion. Magnifique. Attendez. L'autre côté. Le rouge de la Pokéball, toujours au-dessus. C'est un moyen vidéoludique. Morpeko. Hippotrempe. Mimigal. Brindibou. Morbeko, encore. Mustéflotte. Luxio. Bannière de la Team Yel. Énergie. Potion, doucement. Monter un petit peu. Ah, ça, c'est la reverse. Ok, et ensuite. Oh là là, encore, allez-y. Encore, je l'ai pas. Ah si, je l'ai, Nigosier V. Ouais, il y a le V et le V max. Bon, moi, je l'ai déjà eu, mais très très sympa. Hein. Ouais, très joli. Ah, tu l'as déjà? Ouais, je l'ai déjà. Je l'ai en V max aussi. Ah, tu l'as en V max aussi? En V et V max, ouais. C'est quoi la différence entre V et V max? C'est une forme, je crois, qui se fait dans les nouveaux Pokémon, donc épée bouclier. Parce que dans le jeu, vous avez cette nouvelle fonctionnalité qui agrandit le Pokémon, en fait. D'accord, qu'ils le mettent... C'est pour ça que le Dracaufeu VMAX, il est énorme. En fait, c'est vraiment le nouveau système de dresseur. Quand vous affrontez un dresseur d'arène, en fait, à la fin, son dernier Pokémon, il peut se transformer en VMAX, donc il grossit énormément. Ah oui, voilà. Du coup, il est plus fort, il tape plus fort. Tape plus fort, et vous pouvez aussi vous-même agrandir votre Pokémon. Donc ça donne des nouvelles formes à certains Pokémon. Ah oui, je savais pas ça. Donc Dracaufeu, qui est le Pokémon du boss final. Voilà. Mais c'est exceptionnel. Voilà, c'est des petites informations, hein. Allez, énergie. Énergie au bouclier. Allez, on a poké. Blanc coton. Je suis sûr, un Dracaufeu, je le sens. Et flèche. Frisson de Nil. Smogo. Cacnea. Tournicoton. Frisonil. Oh là, ça enchaîne. Je l'ai déjà. Oui, mais Cervé. Et Archiduc en holographique. Tu l'as? J'ai les deux. Elles sont magnifiques, en tout cas. Elles sont très très belles. Ouais, elles sont jolies. Je prends. On met direct sous sleeve, hein. En plus, on a les sleeves déjà fournis, ça fait plaisir. Au moins, c'est des belles sleeves avec un petit logo. Franchement, là, le tirage, il est exceptionnel sur le coffret, là. Hein. Le tirage est incroyable. Franchement, ça nous motive vraiment à prendre ça, hein, à la place de prendre des displays, des fois. Le seul problème, c'est que c'est compliqué à trouver, quoi. Voilà, et c'est toujours le même truc où les prix sont vraiment très élevés, quoi. Allez, j'y garde des meilleurs pour la fin. Excellent, allez-y. 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 Ah, l'idée, c'est d'avoir un... Même, il y a un low class qui est pas mal, hein, en shiny, en VMAX, qui est vraiment très joli aussi à avoir. Hein. Un low class? Ouais. Moi, ça me tâte d'ouvrir la Destinée Occulte. Ah ouais, Destinée Occulte, on n'a pas encore commencé, donc ça va vraiment... Parce que le début, plaisir. Ça commence vraiment par les anciens Pokémon, et ça me fait plaisir. Ouais, c'est magnifique. 1, 2, 3, 4... Et je retiens 50. Allez, on continue, Gog, allez. Je sens qu'il y a un Dracaufeu, là. Allez-y. Lixie, il est magnifique. Lixie, Wistempo, Cracnoir, Yanma, Smogo, Dresseur d'arène, Eflèche, Blanc Coton, Énergie,
Brindibou. Je vais monter un petit peu. Non, là, ça va être normal, je pense. Ah. Oui, c'était sûr. Donc là, un haut. Ouais. Bah, il fallait bien, hein, de toute façon. Hein. Volcanion. Dommage. Comme quoi, dans le Dracofeu, on n'a pas forcément les meilleures cartes. C'est pas grave, regardez, hop. Oui, je pense que c'est fait aléatoirement. Hein. Mais les packagings sont très beaux. Hein. Ouais, c'est franchement Destiny Radius, c'est vraiment une collection que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Énergie acier. Bannière de la Team Yel. Bouclier rouillé. Blanc coton. Evoli. Morpeko. Allez! Kelocroc. Goupillon. Wistempo. Oh là là, Poltergeist en shiny. Et en plus, on finit avec Métamorph V que j'ai déjà. Mais c'est magnifique. On a une shiny et une V. Eh, franchement, ça les c'est deux, le tirage. Les deux, tu les as lui, je l'ai pas, Poltergeist. Mais Métamorph V, je l'ai. Tenez, monsieur. Je crois qu'il me manque juste le V max d'ailleurs à avoir. Mais j'ai le V en tout cas. Ah là là, c'est incroyable. Allez, ouais, le dernier. Allez, le dernier. La dernière fois, la dernière fois sur l'ancien truc, on avait fait une bonne pioche. On avait une rainbow, je crois, sur le dernier. Hein. Oui. Ça accroche pas du tout. C'est mauvais signe. Goupillon. Allez, je vous laisse finir. Evoli. Tornicoton. Kelocroc. Morbeko. Éperouillé. Ostima. Et flèche. Ralentissez. Énergie. Voilà. Ça, c'est la normale. Et ensuite, juste derrière. Voilà. Ah, Roublenard. Je l'ai déjà. En holographique, très sympathique. Elle est belle, la carte. Très sympathique, c'est pas grave, on est vraiment content parce que on a quand même eu 4 belles shiny ici. Oui. On a eu une autre shiny, il me semble, hein, où on a eu quelque chose. Alors, on a quoi d'autre? Bah, on a eu sur 10 paquets, on a eu. On a eu 4 shiny, un métamorphe V. Bon, ouais. Après, c'est de l'holographique ça, mais sinon, on a eu. Voilà. Là, c'est quoi ça? C'est une V. Oh, on a eu 5 V. Enfin, 6 V même. Et 4 shiny. C'est exceptionnel. Donc sur 10 boosters, c'est vraiment pas mal. Et non, on est content là. C'est vrai que le ratio est bon. Hein. Plus vous avez le VMAX comme ça offert. Ouais, ça je garde. Voilà, très sympa. Très bien. On se retrouve sur une prochaine vidéo avec Gog et Gabzouz pour l'ouverture du Destiné Occulte, le fameux Destiné Occulte. On va vous faire une découverte avec vous en même temps. On a vraiment hâte. Oui, ouvrons-le vite. Merci à tous, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires, participez. On vous aime. Allez, gros bisous, bisous, salut. Salut.